Compañeros del Barcelona, muy buenas y bienvenido en esa video debrief de la masterclass del Mónaco contra el Paris Saint-Germain o cómo dominar el Qatar Saint-Germain en dos partes. Remettons quand même le contexte, mes chers amis. Paris sans Neymar, le Barça de Messi, Griezmann, 4-1, triplé de Mbappé. Au camp, nous, messieurs, dames. Au nous camp, bref. Camp nous. Et c'est pas le Barça d'il y a 4 ans, certes. Ce Barça-là, il fait 1-1 contre Cadix, le club qui est en train de lutter contre la relégation. Barça, bon ou pas, c'est le Barça. Rien à foutre, c'est le Barça chez lui. Paris, bon ou pas, pareil, rien à foutre, c'est Paris chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Paris est devant au classement en plus. C'est pas le meilleur Paris. Ok, si tu veux. Mais ils sont pas non plus relégables, hein. Enfin, je veux dire, ça va quand même, tranquille les finances, tout ça. Tranquille, il y a encore le Qatar au pouvoir à Paname. Tranquille frérot, Qatar Saint-Germain, on est all. Et comme le dit le cher frérot Tarek d'ailleurs, on a perdu tellement de matchs, tellement de finales. Aller le battre chez eux, c'est une vraie perf et ça fait plaisir. On est rentré sur le terrain, quel sérieux. J'étais concentré pareil comme les joueurs, la vérité. Tellement d'éther, on pouvait pas perdre. On met un but, première attaque, on est arrivé comme des robots. On fait vu. Hop, petite tête, Aguilar, boum, Diop qui arrive, qui met des buts de la tête, Diop. Diop, il fait 1m50, il met des buts de la tête. Et le pire, c'est Maripane. Maripane, arrête de jouer défenseur, mon frérot. Joue attaquant, dis-le à Kovac que t'es attaquant. Maripane, t'es pas défenseur, c'est pas parce que tu fais 3m50, que t'es grand comme la tour Eiffel et très lent comme une girafe, que tu dois jouer défenseur, Maripane. Va jouer attaquant. T'es un Giroud chilien. Maripane, c'est le Giroud chilien. Je suis sûr, Maripane, un jour, il va nous claquer une retournée, un ciseau comme as. Il va nous faire gagner la Champions League en finale l'an prochain. Bravo, moi j'étais à fond, j'étais là, oui, non, non, attention, non, faut pas faire ça. Et là, tu vois la petite tête de Vrant qui dévie sur Aguilar, hop, le centre qui passe par la frappe de Fofana, hop. Wow. Oh, oui. Incroyable. Nico Kovac, je n'ai jamais douté une seule fois de tes compétences en tant qu'entraîneur. Je t'aime Nico, ich liebe dich. Volume T. Mon top c'est Kovac et le collectif. C'est ça Monaco, c'est un jeu solidaire. C'est un bloc qui a eu su être compact, imperméable. La classe à l'état pur. C'était la perfection, c'était la suavidad. On a joué avec le corazón. El cuidado. On joue ça en Champions, les frérots, on va en finale, on gagne, je vous le jure. Si tu t'adaptes aussi facilement à un adversaire. Aucune occasion, Paris. Alors que t'as Mbappé, tout ça devant, quand même, mon frérot. Le Comte, il a dû faire aucun arrêt. Si on joue les matchs contre Lorient comme ça, ils perdent 6-0, les frérots. On a une équipe jeune, et c'est peut-être notre avantage comme notre faiblesse. Moi, je me sens jeune dans mon entreprise, et je fais beaucoup de conneries. Mais quand je fais des trucs, je le fais bien, mon frérot. C'est ça qui est important. Faut essayer. On a osé. Nos jeunes, ils sont là. Diop, merci, mon frérot. Je dis trop frérot, mais c'est tellement l'émotion. Tactiquement parlant, c'est incroyable. Nico Kovac. Kovac, d'ailleurs. Je sais pas. Kovac. Kovac. Ah, Nico. J'ai regardé tous les débriefs de l'ASM. Aujourd'hui. Plutôt que de faire le mien. Revenir sur la parole sainte et très sensée. De mon collègue Alexandre Paqui qui disait qu'effectivement Kovac ne veut pas voir devant mais que nous les supporters on veut. Ben oui évidemment et c'est normal. Les supporters on veut toujours plus comme il l'a dit si justement. Et même les joueurs ils voient devant. Quand t'es compétiteur tu vas pas dire ouais bon vas-y on a fait la distance. Frérot même s'ils le disent pas t'es à 6 points de Lille. Il reste 36 points à décerner. Tu vas jouer Lille et Lyon. Tu vas revenir à 3 points de l'un si tu gagnes et à 0 points de l'autre. Tu comprends que le titre, c'est pas loin. C'est juste que oui, c'est du bonus, c'est du bénéf. Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Et la dynamique qu'on a, on est en route pour le titre. Oui, parce que Lyon, Lille, ils vont se taper les équipes casse-couilles. Hein, entre Marseille, entre Paris. Et ils vont lâcher des points, les frères. Alors peut-être qu'il y a une équipe qui va nous faire mal, qu'on perdra un ou deux matchs. Mais je vous garantis que si on joue comme ça et qu'on se démobilise jamais comme ça... Eh ben, on va aller très très loin, et plus loin qu'on ne le peut, et plus loin qu'on aurait cru en début d'année. Sans pression. D'ailleurs, en parlant de ça, quand je vois tous les cartons rouges qu'ils auraient dû prendre, l'addition aurait pu être pire, franchement, parce que entre Florenzi là, sur Voland, désolé, mais ça c'est un carton. Mbappé, c'est pareil. Mbappé, à la fin, t'aurais pas dû t'énerver, frérot. Arrête de faire des zizous.
Tu peux pas partir en couille comme ça. Tu peux pas partir en cacahuète comme ça. Parce que là, c'était carton. Là, il faut une mandale à la fin. Non, c'est pas bien. Et ça montre la fragilité mentale que tu peux avoir parfois. Attention. C'est une masterclass pour gagner contre Mbappé ce soir. Tu regardes comment Disasi, Maripane, ils sont occupés d'Mbappé. Attention, le jour où Kovac, il est sélectionneur d'une autre équipe nationale quand joue la France avec Mbappé, ça va nous faire chier. Si on voulait faire le jeu, on l'aurait fait, mais on aurait pris 5 buts en contre-attaque. Non, on a fait le jeu dans notre sens. On a fait le jeu stratégiquement parlant. On s'est adapté à merveille à notre adversaire ce soir. Bravo, Nico. Même si tu veux pas nous voir jouer le championnat. You know, the objective keep going. We want to make the distance with the fifth. It's done. We made a good job. Même nos remplaçants étaient forts. D'ailleurs, je souhaitais quand même signaler que on a du banc. Alors n'oubliez pas, oui, les prochaines équipes qu'on va jouer, ils vont nous voir jouer, comme c'est comment dire. Ils vont se préparer à comment on joue. Qu'on est imprévisible. Un, parce qu'on s'adapte nous. Et de deux, parce qu'on a du banc. Et Kovac, il arrive à cogiter. Et avec son banc, il arrive en deuxième période, si ça se passe pas bien, à retourner la situation. C'est pas 11 joueurs sur le terrain qu'on a, c'est tout un groupe incroyable, collectif, qui s'aime et qui est soudé. Kovac fait des choix extrêmement judicieux, on a de la chance d'avoir un entraîneur comme lui. On a de la chance, quand je vois le Koeman qu'ils ont au Barça, quelle erreur. Kovac, tu l'écoutes, y a pas d'homme du match ce soir, y a aucun flop. On va gagner la Liga. La Liga, on peut pas jouer le titre, gna gna gna. On joue pas le titre, mais on est en route pour. N'oubliez pas de vous abonner. Sur Instagram, sur YouTube, tout ça, on discute ensemble, à mettre un petit commentaire, un like. Je vous réponds en général à tous les commentaires, ça fera beaucoup de plaisir. Croyez en vous. Parce que qui aurait dit 0-2 personne. Ceux qui parient contre Monaco dans des matchs comme ça, non frérot. Moi je faisais ça avant. Comme ça, si je perds, si mon club perd, j'aurai des thunes. Non, ça marche pas comme ça. Faut croire au truc. Et si t'y crois pas, ben, t'as même pas cette sensation. Moi aujourd'hui, j'étais fier, j'ai sauté partout quand on a mis un deuxième but, quand Maripane s'est dévoilé étant le meilleur attaquant chilien en cours. C'était un peu décousu, je vous avoue. Ce débrief, mais voilà, il y avait beaucoup trop de choses à dire et j'étais beaucoup dépassé par les sentiments. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les moments comme ça, et avant toute chose, les sentiments qui priment, parce que le football, c'est pas que des stats. Et l'AS Monaco nous a montré qu'effectivement, quand tu mets du cœur à l'ouvrage, au final, c'est ça qui importe le plus, parce que c'est ce qui marche. Voilà. Alors, aimez les gens avec qui vous êtes, prenez soin des vôtres. On se retrouve très vite pour un prochain débrief. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée et à bientôt.